Succès, trophée, fan de street art, découvrez tous les graffitis à collectionner. Il y en a 70 parseminés sur l'ensemble de la carte. Alors si au début je les ai vraiment chopés au fil du temps, après je me suis concentré région par région pour pouvoir les trouver tout de suite. On regarde où trouver ces 70 œuvres d'art. Ça ressemblait plus à une trappe qu'à un coussin pour amortir ma chute. Objet de collection historique. Mort vivant. C'est un graffiti. Tout premier. Par contre, on peut dézoomer un peu. Hein. C'est le début. Très joli, hein. C'est pas un graffiti, ça. Sympa. On est là. Putain, les... quand on est sur les... Ok, j'étais juste à côté. On voit quelque chose, hein. Laisse ça, c'est à moi. Eh, hey, c'est pas drôle, putain. Un trou à rein, en effet. Ouais. Putain, où est-ce qu'on descend là? J'arrive pas. Ah waouh, il y a un escalier. Ah putain, ouais, d'accord. Ah, tiens, inhibiteur. Deux inhibiteurs. En tout cas, ils en foutent du bordel à côté, hein. Tiens, encore un graffiti. Perceuse. Avocat intègre. Il y a eu beaucoup de ah non, j'ai rigolé, j'ai rien contre les avocats, mais... Disparu. Il y a un an, un type est venu. Un des hommes du boucher, ils ont dit. Apparemment, il travaillait pour le GRE, à l'époque. Il a essayé de convaincre les gens d'aller au barrage. Il leur a promis des armes. Et ceux qui l'ont suivi sont jamais revenus. Quand j'ai vu Elias juste avant, il avait l'air défoncé. Comme s'il était drogué. Ses yeux... ils étaient terrifiants. Comme s'il n'y avait plus personne. Je vais... s'occuper de ça. Très joli, hein.
Alors, station électrique de Saint-Paul. Il y a un petit peu de monde là, une fois que vous les éliminez, vous serez au calme. Graffiti. On voit pas grand chose parce que. Mais à la fin du jeu, il y a des missiles qui ont tout fait péter dans la zone. Pestilence. Alors, on est pas très loin d'une planque. La faucheuse. J'avais du mal à la voir en fait. J'étais là-dessus, la faucheuse est là. Monstre et mordeur. C'est sûr. Puis les merveilles. Hein. Alors, pas très loin du labo de vaccination, généreux. On peut voir une fresque ici. Voilà, je suis descendu bien vite. La voici. Je dois pouvoir. Ok. La graffiti est là. Celui-là. Sympa celui-là. Pour l'instant, c'est l'un de mes préférés. Mecazanat. Squelette heureux. C'est un camp de base. L'esprit tranquille. Et juste à côté d'une boulangerie. Alors je dis une parce que je sais que dans d'autres zones il y a... Il y en a un. Est-ce que je vais réussir à grimper par là?
peu bizarre comme. En tout cas, globalement, je les trouve assez sympas. Tic-tac. Alors, on est pas très loin d'un lieu de rencontre. C'est dans cette direction-là. La porte de l'enfer. Alors là, si on se met au bout de ce bâtiment et on regarde vers la espèce de grande marée chimique. Ici on a notre graffiti, Memento Mori. Alors on va revenir sur nos pas. Là où tout à l'heure il y avait une fresque ici qui était en fait là, c'est en voyant le dessin, je me suis dit je regardais cette partie là, mais en fait c'est celle-là, juste à côté. Je crois que ça fait partie des plus dures à trouver, celles qui sont comme ça dans des murs en vis-à-vis. Si différents et pourtant si semblables. Pour dire à quel point c'est compliqué de les trouver. On voit juste ça qui dépasse généralement quand on se balade sur les toits. La cassette en elle-même est visible que sous certains angles. Les années 80 sont de retour à l'une des meilleures périodes pour la musique. Hein. Espèce de gros pot, alors pas de musée là, mais Jar Jar. Attention, je suis à l'opposé de la direction qu'il faut regarder. Sympa ton arme, Aiden. Pas me piquer mon arme, toi. Ange déchu. Alors, on n'est pas très loin de la première épreuve de Traceur Nocturne de course. On va regarder dans la direction de l'église. L'épreuve de course est là. L'église est ici. Et juste en dessous. Le paradis et l'enfer.
Et si on fait un 180, qu'est-ce qu'on a derrière nous? On en a une autre. Par contre, celui-là, je vois pas le... Il est là. Ranger des monts. C'est assez sympa d'en avoir deux comme ça en vis-à-vis. C'était l'enfer et le paradis, et ranger des monts, puis là, bien sûr avec des thèmes qui vont bien ensemble. Alors, tout à l'heure on était par là, c'est un petit peu décalé, et en se baladant... Ne me tuez pas. C'est la fin du début. L'ombre des traceurs nocturnes. Nouvelle fresque, on la trouve par là. C'est un peu haut ça, non? Bon, ça passe. Trop mimi, hein. Ces animaux. L'amusement nous unit, tout le monde peut jouer. Elle est super celle-là. Animaux mécaniques. Très loin du poste d'échange. Alors là, on est toujours au niveau du poste d'échange. Alors ça va être loin hein, notre truc, mais en fait, quand on y est, on a une vue sur... Ce qui est quasiment sûr va être une fraise, vu la taille. La question c'est où est le pouf de bombe. T'es obligé de me mettre une mandale, il est pas gentil. Marteau squelettique. Alors un petit peu dans le même genre, là on est au niveau du marteau squelettique, on va regarder dans, du côté du centre chémonique. Chémonique, ouais, je crois. Ou génétique, j'ai peut-être mal lu. Petit bonhomme avec sa bière. My world. Un gros chat. C'est bien qu'il soit gros comme ça, on peut le... On arrive à passer de l'un à l'autre. Notre monde tout entier, Lucas. Sympa aussi cette pub. Cette direction. On va peut-être oui dans sa roue. Court. Euh,
Un gros lapin spécial dédicace à Lapin Killer. Il est mignon tout plein avec son petit bandeau à la Rambo là, lapin bélier. Allez, top. Alors, on regarde le camp. Si on se retourne, une petite bulle noire. Le dessin. Hop. On ne voit plus. Hein, mais... donner un indicateur. L'argent, l'argent, l'argent. Alors, pas très loin d'un qu'on avait vu précédemment. Le boucher est notre pire ennemi. C'est lui qui est derrière les bombardements du lundi noir qui ont posé un chat dans une longue posture. La loi et l'ordre. Il y a que comme ça qu'on s'en sortira. C'est peut-être pas un chat, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Donc là, il y en a deux. Hein. Alors, on est à la limite entre deux zones là. Près du défi de traceur nocturne. Premier du nom. Comment s'appelle ça? Dormeur. Pas trop fan du style. Désolé. Là, il faut descendre dans une zone où on va pas forcément, il n'y a pas grand chose dans cette zone-là, cette espèce de parc, et c'est surtout qu'il y a tous les produits chimiques derrière. C'est une petite descente là avec une fresque. Bad Wolf. Alors toujours dans la même zone, tout à l'heure on était ici, là on continue plus bas encore à l'extérieur. Après, il y a une espèce de petit bâtiment technique et surtout il y a une trappe. On va s'enfoncer dedans. C'est marrant parce que j'étais venu, j'avais déverrouillé la porte et avant de faire l'aller-retour, il faut le redébrouiller. La course du rat rouge. Bien caché celui-là. Alors, on change de zone centre-ville. Bonne nuit, ville d'or. Quelqu'un qui est en train de manger à côté de moi. Alors, si on se tourne, on a une autre pas loin. Une arme à feu. Le bon angle pour pouvoir prendre quand même. Faites l'amour, pas la guerre. Donc il y en a un qui était par là, là lui il est par là.
Lève-toi. Voilà, notre fraise, par contre, le pot de teinture est là-haut. Par ici, on peut avoir accès. Là, ça me paraît... Là, ça va, mais c'est ici où j'ai un affreux doute. Ah, en passant par en dessous, ouais. Ça nous aide. Alors, en vrai. Pourquoi cet air si sérieux? On peut arriver jusqu'ici en montant là avec l'échafaudage. On a le roi singe, il est sympa lui aussi. Alors encore une fois un double graffiti. Vous avez une espèce de série d'immeubles qui fait comme un cercle. Pourquoi il se boucle? Et on a un graffiti sur chaque mur. Le premier, c'est sac d'argent. Et le deuxième, le cœur contre l'argent. J'ai l'impression qu'ils sont inversés en fait. Bon, on va voir. On va voir par rapport à leur nom. Sac d'argent, ah bah non, 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 les noms sont corrects. Alors, quand on est au niveau de la planque du tracker nocturne, on a une super vue sur l'objectif. Juste ici, bon, je suis un petit peu en hauteur, mais il y a une tyrolienne ici qui aide énormément. Bien sûr, on peut y avoir accès autrement, mais. Maintenant, où est-ce qu'ils ont mis? Mais bon, ben... Bonne chance. Alors, le prochain est assez complexe. On est ici. Donc, il est juste en face de moi. Là, on le voit mal parce qu'il y a un... Il y a le soleil qui éclaire, mais voilà un petit peu, on est tout en bas. Donc l'objectif, ça va être de grimper, à la fois pour mieux le voir, en se baladant dans, plutôt sur ces toits-là qu'on peut tomber dessus. Mais après, il faut aller chercher le... petites bonbonnes qui vont bien, quoi. Ok. On peut y accéder par là, ce sera beaucoup plus simple que de tenter un saut... C'est impossible. L'objectif très clairement c'est de grimper. Hein. C'est de grimper, c'est de trouver un coin entre guillemets pas trop compliqué pour monter. De toute façon dès qu'on montera on sera sur le bon chemin. Ok, ah bah tiens, impeccable. Oh, c'est un peu con, je suis quasiment arrivé, je vais pas descendre pour remonter. Ok. Merde, y a pas de...
faire le tour. Il est vraiment pas ça, ouais, là on le voit. On va essayer de pas se tuer en descendant. Hein. Okay. Et la bonbonne. D'ailleurs, je croyais qu'il fallait demander. Alors il y a peut-être un chemin plus simple. Ouais, peut-être avec la grue. En sautant, bon. En tout cas, on l'a eu, mais chaud celui-là. Hein. En face de nous. Chasse-wing. Ensuite, pas très loin. Et en fait, quand on regarde la fresque, il faut monter à l'opposé. On finit par tomber sur les mondes. Avarice. Induit. Le patron. Alors celui-ci, la fresque, on la voit bien. Par contre, c'est les bonbonnes que j'ai mis du temps à trouver. En plus, il y a plein de choses autour. Puis je m'attendais plus dans les étages, tout ça, mauvaise habitude. J'ai réussi, mais les bombes étaient trop bien cachées. Heureusement qu'il y a une couleur un peu spécifique. Alors celui-là est très joli. Même si c'est un serpent, il me fait trop penser au dragon de Shiryu. Le chevalier du Zodiac. Des bonbonnes. Sinon, il n'y a pas grand chose dans le coin. Ouroboros. Ah ouais, non, il est super. Hein. Park New Down, pas très loin, c'est le fisheye qui est là. Donc deux jours, pas de soucis, y a pas de zombies. Hein. Parfois je me réveille au beau milieu de la nuit, en oubliant que la chute a eu lieu. Je vais pouvoir grimper ça normalement. Ça va, ils sont gentils. Dans de la ville, non. Tout à l'heure, on était par là. On remonte. C'est entre les deux grands bâtiments. Guerrier pacifique. Alors avec l'attaque de missile, c'est assez compliqué d'y voir quelque chose ici. Cependant, on peut voir entre les deux bâtiments. Alors lui, je crois que je l'avais. Oh, je sais plus entre les deux.
Médecin de la peste. Non, c'est lui que j'avais vu par contre. Je l'avais pas repéré, lui. Voilà, deux. Sauf que le médecin de la peste. Enfin, il y a un... Voilà, lui, j'avais le repéré. Peut-être avant l'attaque des missiles, je sais pas. Je sais plus trop. Un peu compliqué, hein. Ouais. Encore une fois, pas simple ici. Avec l'attaque des missiles, on a de la poussière partout. Un peu dommage, ça claire bien. Et le truc est là-haut. Master, l'autre. Tac. La mort. Incarné. Là, je peux pas en profiter avec le. Avec cette poussière parce qu'il est... il a l'air pas mal du tout. Alors, par rapport à où on est là, chut. Continue par là. Alors, on est nu, j'espère qu'ils vont pas m'agresser. Voilà, l'autre. Saucisse grillée. Feu de l'enfer, le nom est super. Histoire pour toi. Qu'est-ce que tu sais des... Alors là, on a un camp où il raconte des histoires sur nous. Ça, c'est marrant. Argent sale, hein. Ensuite, pas très loin, il y a le canal là sur le côté. Chirubinator. Intéressant comme nom. Alors, on est au niveau de l'épreuve de parcours numéro 9. Bon, ça exerçait, siège du passé. Ou c'est un Bouddha, peut-être. Parce que j'apprécie trop le film 300. Encore une fois, point de référence, on va prendre une base, la ferme à citrouille, qui est en face de nous. Beauté aveugle. Alors, entre Etherbrue et The Wrath, là où d'ailleurs il y a un conteneur militaire avec quelques surprises. De la lumière. Alors, pas très loin d'où on était, on était quelque part par là. On peut voir un petit bout de fresque là-haut. Maintenant, il faut trouver le moyen de monter.
Tiens, ça, c'est cadeau. Joli ça. Les portes. Alors, si on regarde l'église Saint-Paul sur les toits, en nous retournant, plusieurs maisons, il y a un petit bonhomme irlandais assez sympa. La chasse aux chasseurs. Alors cette fois-ci, on va regarder direction de la cathédrale Saint-Paul. Sur notre droite, sur un pan de maison. Cheval sanglant, le manège de la vie. Alors, on va regarder dans la direction de la planque du tracker nocturne ici. Maison bleue. Explore l'espace. On va regarder dans la direction de la maison de tout à l'heure, la maison bleue, il y a une graffiti. De l'autre côté de la rive, une autre fresque, le chien. Notre maison était là-haut. Tiens le bon bout. Hein. Alors là, celle-là, on pourrait presque croire que c'est une affiche. Il y a des affiches un petit peu partout dans le monde. Elle est super pub pour Dan Burger. J'adorais. Celle-là, elle est waouh. Je crois que c'est la plus grande. Hein. Je crois que c'est la plus grande maintenant. J'aimerais bien avoir vu le spot marron de loin. Les grands explorateurs. Ouais, elle est belle. Hein. Ça aurait été presque cool de terminer vers celle-là. Bon, on n'a pas vu la dernière encore. Ça y est, on tient notre dernier. Penser à un qu'on avait déjà eu, en tout cas le bas. Ah, il est pas mal quand même. Hein. Mais c'est pas le plus joli. Fan de street art, tu m'étonnes. 70 c'était un peu beaucoup quand même. Ils sont très jolis par contre, mais trouver que ça fait un peu penser au collectif Luby où ils en mettent une tartine. Mais ils étaient assez sympas. Voilà, voilà pour le 70e.